عليكم. Alors, on va essayer maintenant de travailler sur la deuxième partie de la, les contraintes d'intégrité référentielle et dépendance fonctionnelle. Alors, normalement, d'abord, tout le monde est conscient, tout le monde sait que quand on parle d'une contrainte d'intégrité référentielle, ça veut dire, par exemple, dans notre exemple, nous avons une contrainte d'intégrité référentielle entre la clé étrangère PLNUM qui se trouve dans la table vol, ça c'est la table vol, d'accord, et avec la clé primaire de la table pilote. Ok? Et là, vous avez une contrainte d'intégrité référentielle entre la clé primaire de la table avion, la clé primaire de la table avion, avec la clé primaire de la table vol, avec la clé étrangère en pleine de la table vol. Donc, je ne vais pas revenir sur c'est quoi une contrainte d'intégrité référentielle, mais plutôt, on va essayer aujourd'hui d'éclaircir un point qui est très important. D'accord, vraiment, vraiment très important dans les requêtes SELECT, c'est le point des jointures. Les jointures. Alors, les jointures, normalement, c'est un concept qui devient primordial et qui devient important. Et où les chihajel les mohimmas, foukache. Le moment vous allez dans votre select, d'accord, select franc, vous avez besoin de plusieurs tables. D'accord, vous avez, voilà, je vais mettre un S, comme ça vous allez être, d'accord, conscient de ce que c'est. Alors, si vous avez select franc, et là, vous avez besoin de plusieurs tables. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin de plusieurs tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez besoin de plusieurs tables. Avant que ça aille, je vais vous faciliter la tâche. Si vous vous rappelez, nous avons dit la clause franc qui connaît les tables. Yeah, la clause franc, dans la clause franc, nous avons des tables. Quelle table? Nous avons dit que dans front, vous avez soit des tables qui contiennent des attributs que vous avez utilisés fil dans select. C'est-à-dire le moulin. Vous avez fait select PL, non? Il est devenu select PL, non? Ou là, si tu mets non, select un attribut de la table pilote, donc tu es obligé que la table pilote soit présente dans la clause front. Alloul, ça c'est la première. Ou là, vous pouvez avoir besoin d'une table dans la clause front parce que vous avez utilisé un attribut dans la clause where. Vous avez utilisé, d'accord, des attributs dans where. Donc, si vous utilisez des attributs dans where, automatiquement, la table, les fiha, donc les attributs que vous avez utilisés dans where, elle doit être présente dans la clause from. Pourquoi, pour vous, la dernière fois, l'élément n'était pas aussi clair que ça? Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai donné des exemples avec une seule table. Yani, avec une seule table. Ça veut dire les éléments qui ont été sélectionnés, qui ont été dans la table, ou les éléments qui ont été sélectionnés, qui ont été dans la table. C'est pour ça que les choses étaient faciles. Mais maintenant, je vais changer de question. Je vais aborder avec vous
un autre type de question dans lequel la première des choses que vous allez sentir, vous allez sentir que vous allez, que vous avez un besoin imminent d'utiliser plusieurs tables. Donc c'est le premier exemple, je vais commencer avec deux tables. Ça veut dire que je vais commencer par exemple avec la table pilote et avec la table vol. Nickel, je vais poser une question. Quels sont les vols de chaque pilote? Là, attendez, je vais vous l'écrire d'une autre façon, un peu plus clair. Afficher, sélectionner les noms des pilotes, d'accord, les noms des pilotes avec, d'accord, leur vol. Pardon, S. Entre parenthèses, je veux que tu me ramènes vol nul, ville départ et ville d'arrivée. D'accord? Regardez, d'abord dans la question. Le rythme de la dernière séance dans laquelle nous avons fait des petites sélects avec des petites phrases, d'accord? Avec des petits verbes. Est-ce que vous remarquez dans la question qu'il y a la clause verbe? Il est bien sûr le niveau de la compréhension jusqu'à maintenant? Non. Radis Bouli, pourquoi? Parce que tu as demandé, on doit afficher les noms de tous les pilotes, et avec les noms des pilotes, qu'est-ce qu'on va ramener? On va ramener le volume, la ville de départ, la ville d'arrivée. À titre d'exemple, il y en a, vous remarquez, j'ai le vol numéro 10, le vol numéro 10, il sera réalisé par le pilote numéro 3, et il sera effectué par l'avion numéro 6. La ville de départ, c'est Casa. La ville d'arrivée, c'est Oujda. Le départ, il est à 9h du matin. Et l'arrivée, elle est à 10h du matin. Et alors, la sélection, qu'est-ce que je voudrais avoir? Je voudrais avoir Ahmed. Et la sélection, le résultat, je voudrais avoir Ahmed, comme ça. Yani, na, sajibli Ahmed. Parce que qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé le nom. Ça veut dire, hada, c'est PL nom. C'est PL nom. Ou à côté de Ahmed, je voudrais que tu me ramènes le numéro de vol. Le numéro de vol, ou Ashra. Ça, c'est volume. D'accord? Et à côté de volume, je voudrais que tu me ramènes la ville de départ et la ville d'arrivée. D'accord? La ville de départ et la ville d'arrivée. Ville départ, ville arrivée. Ou là, qu'est-ce qu'il y aura? Na, Ali Djibli Casa, na, Ali Djibli Oujda. Ok? Qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez quoi? Vous remarquez que j'ai Hada prévu Hada. Hada. Il est de la table pilote. Ou a des attributs hado, ils sont de la table vol. Ça veut dire, quand tu vas écrire ton select, voilà, je vais effacer maintenant tout ça, et on va discuter petit à petit. Quand tu vas utiliser ton select, tu es obligé d'écrire select PL. PL non, virgule, tu as besoin de volume, virgule, et tu as besoin de ville de départ, et tu as besoin de ville d'arrivée. C'est simple. C'est de mon temps la question. Tu vois, il y a coupé le micro dial.
Adiata, coupez le micro. Donc, vous avez remarqué que, à partir de la question, j'ai sélectionné les attributs que je dois avoir. Alors, on remarque que vous avez un attribut de la table pilote. Je vous ai dit la règle que nous avons parlé dans les séances précédentes. La règle vous dit que vous devez avoir franc la table pilote. D'accord ? Vous voulez sélectionner le vol, vous voulez sélectionner la ville de départ, vous voulez sélectionner la ville d'arrivée, virgule, vous avez besoin de la table, vous avez besoin de la table vol. Vous avez besoin de la table vol, vous avez besoin de la table pilote, et vous avez besoin de la table vol. Elle est, parce que nous avons vu les séances précédentes que je dois avoir la clause from, toutes les tables, d'accord, qui contiennent les attributs que j'ai utilisés dans select. J'ai utilisé dans select des attributs de la table pilote, je dois avoir la table pilote. J'ai utilisé des attributs de la table vol, donc je dois avoir la table vol. Sauf que là, vous allez avoir un problème. Je vais remplir, par exemple, d'autres lignes. D'accord ? Je vais remplir ici, par exemple, ça c'est le vol effectué par monsieur 1. Et là, nous avons utilisé l'avion 23. Le départ, c'est Agadir. L'arrivée, c'est Casa. Le départ, c'est à 11h. L'arrivée, il est à midi. Là, je vais rajouter une autre ligne. C'est un vol qui est effectué par le pilote numéro 4. On a utilisé l'avion 29, le départ c'est Tanger, d'accord, l'arrivée c'est Oujda, d'accord, le départ il est à 14h, l'arrivée il est à 15h. Tiens, là je vais tout remplir. Là vous avez un autre vol qui est effectué toujours par monsieur, par exemple je vais mettre des couleurs, il est toujours effectué par monsieur 3. Maintenant nous allons utiliser l'avion numéro 27. Le départ, il est de Fès. D'accord, l'arrivée, elle est à Dakhla, par exemple. D'accord, l'arrivée, elle est à Dakhla. D'accord, et je ne sais pas, le départ, il est à 13h. L'arrivée, elle est à 15h. 2h, par exemple. Alors là, on va se poser la question. Tchou, alors là, essayez de vous concentrer parce que rentre la problématique, il y a des problèmes, la jointure. Je vais évoquer un problème qui doit être résolu grâce à quoi? Grâce à la jointure. D'accord? Alors maintenant, vous allez remarquer, si je laisse comme ça, rien, je ne rajoute rien. Mais normalement, maintenant, si je lis, un de résultat d'hier, ouais, il va comprendre, par exemple, que de monsieur 3, غادي يجيب سعيد كما درنا هنا ولا يجيب احمد وغادي يجيب لي زانفورماسيون و اكوتي باغ اكزومبل شكون هذا مسيو 1 باغ اكزومبل سي سعيد داكور مسيو سعيد داكور الى افيكتيو لو فول نيميرو 11 زيد وغادي يجيب لي قدامو لا فيل دو ديبار سي اكادير داكور ولا فيل دو لاريفي سي كازا. يعني هنا عندي ربعه ديال لي فول جي كاتر فول لو فوز اتوندي با انه في لو ريزولتا فوز الي افوار سامبلومون كاتر لين نو سي با سا فوز الي با افوار كاتر لين باسكو فوز افي اتيليزي فوز افي choisi d'utiliser deux tables et vous n'avez mis aucune condition. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez bien, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, je vous explique maintenant. Mais je vais effacer une erreur. Regardez ce qu'il va faire. Ok? Il va vraiment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous ramenez l'oul. Comment le SGPT va raisonner? D'abord, il va raisonner. Non, il ne va pas exécuter sa lettre en premier.
Le système de gestion de base de données n'exécute jamais select en premier. Il exécute from et where, et c'est après qu'il va sélectionner ce que vous avez demandé. يعني انا بالنسبه ليا en fonction de cette écriture, le système de gestion de base de données d'abord, la première sélection, il va sélectionner tous les attributs de pilote avec tous les attributs de vol. Je dis bien, il va sélectionner tous les attributs, d'accord, de pilote plus tous les attributs de vol. Il y a les attributs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, j'ai vu là 12 attributs. Ça veut dire votre table, elle doit être divisée en 12 colonnes. C'est-à-dire, la table n'est rien de mieux à ce qu'elle sert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va mettre une ailleurs. On va mettre une ville de départ. Ok? On va ramener had les attributs plus had les attributs. Ce qui veut dire qu'il va ramener tous les attributs de la table pilote. Je connais les attributs de la table pilote. Vous m'appelez PL2. D'accord? PL nom. PL prénom. PL. Vous avez ville. Vous avez salaire. Oui, non, vous avez volume. Vous avez volume. Ici, vous avez PNUM dièse. Ici, vous avez AVNUM dièse. Vous avez ville de départ. Vous avez ville d'arrivée. Et en principe, c'est à côté. Il y a une heure de départ et heure d'arrivée. On doit avoir heure de départ et heure d'arrivée. Ça veut dire, il va ramener tous les attributs de pilote et tous les attributs de vol. Alors, ça, c'est la première des choses qu'il va faire. Pourquoi? Parce que vous avez demandé de travailler avec deux tables. Donc, automatiquement, yani, dans votre tête, vous allez vous dire, si on travaille avec trois tables, la première des choses, il va ramener combien d'attributs? Il va ramener tous les attributs de la première table, et tous les attributs de la deuxième table, et tous les attributs de la troisième table. Hadi, j'ai répondu à la problématique d'un attribut. D'abord, comment il va raisonner et comment il va travailler la problématique des lignes. Alors, nous, je voudrais un contre-exemple. Il va prendre, regardez, écoutez bien. Il va prendre la première ligne de la première table. Je connais. Hey. Première ligne de la première table. Il y a un Saïd P1, 4. Un Saïd P1. Où je dois 12 000. Et il va prendre les informations de la première ligne de la deuxième table. Les romans. Et au moins, 10, 3, 26, Kaza, Oujda, 9, 10. Comme tu peux y lire, il a pris les valeurs de la première ligne de la première table avec les valeurs de la première ligne de la deuxième table. Parce que je travaille avec deux tables. Après, là, écoutez bien. Là, il va prendre les informations, toujours, les informations de la première ligne, de la première table. Je connais le moment. Les mêmes, les Roumains 1, Saïd, P1, Oujda, 12 000. Avec quoi? Avec les informations de la deuxième ligne, les Roumains 10, les Roumains 11, 1, 23, Agadir, Kaza, je sais pas, 11h, midi. Je nous dis là, les informations de la première ligne
avec les informations de la deuxième ligne. Après, il va toujours prendre les informations de la première ligne, les informations de la première ligne, avec les informations de la troisième ligne. 12, 4, 29, Tanger, Oujda, 14h15. Et il va encore prendre les informations de la première ligne, Jack Pilote, avec les informations de la quatrième ligne, d'accord, Jack Avion, Léa 13, 3, 27, Fès, Tachla, je sais pas. Il n'a pas fini. Est-ce qu'on a fini avec la table pilote? Je voudrais que vous fassiez attention. Maintenant, Rémi-Yahoud, à chaque fois, la deuxième ligne de pilote avec les quatre lignes de vol. Ça veut dire, là, si je vous pose la question, c'est la table intermédiaire dans laquelle le système de gestion de base de données va ramener les premières données pour s'y traiter. Vous allez avoir combien de lignes? Vous allez avoir 4 lignes minéna, multipliées par 4 lignes minéna, ça vous donne dans la totalité, ça va vous donner 6 lignes. Ça va jusque-là? Ça va vous donner 16 lignes. Le calcul est dans la première table, 40 lignes. Au calcul est dans la deuxième table, 10 lignes. Elle est fait 40 fois 10, on va avoir 40 lignes. Ça veut dire, elle est prend 10 minutes une ligne de la première table, et une ligne de la deuxième table. On prend la première ligne de la première table, et la deuxième ligne de la deuxième table. Et la première ligne de elle va apparaître 10 fois avec elle. Après, en dessous de la deuxième ligne, elle va apparaître à chaque fois avec un dos, et ainsi de suite. Ça veut dire que vous avez 40 fois 10. 40 fois 10, ça va vous donner 40. Je voudrais que vous vous mettez en tête que là, les 40 fois 10, etc., etc., ça s'appelle un produit cartésien. Ça s'appelle un produit cartésien. Ça va jusque là? Je vais vous poser une question et c'est moi qui va répondre à votre place. Linaftare. Supposons que Andy from j'ai utilisé pilote vol avion. On va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir dans la table intermédiaire? Qu'est-ce qu'on va avoir sur le produit cartésien? Le produit cartésien, vous allez avoir combien d'attributs? Vous allez avoir 5 attributs plus 7 attributs plus 4 attributs. 5 plus 7, ça vous donne 12. 12 plus 4, ça va vous donner 16 attributs. Ça veut dire que le SGPD va prendre la table intermédiaire, table temporaire, dans laquelle il va travailler, qui va contenir 12 attributs. Elle va contenir combien de lignes? Qui peut me répondre? Nous avons 4 là, 4 là, 4 là. La table intermédiaire, elle va contenir combien de lignes? À votre avis, elle va contenir combien de lignes? Elle va contenir 4 fois 4 fois 4. Ça veut dire que vous allez avoir 4 fois 4. 4 fois 4, ça vous donne 16. D'accord? Et 16 fois 4, ça va vous donner combien? 10 fois 4, ça vous donne 40. 6 fois 4, ça vous donne 24. Ça vous donne 64 lignes. C'est bon? Ça va vous donner 64 lignes. Ça va vous donner 64 lignes. 4 fois 4 fois 4. C'est très important ce que je suis en train de dire. D'accord?
Alors, pourquoi il raisonne comme ça? C'est pas parce que lui il a voulu, c'est parce que vous vous avez écrit une requête comme ça. Non, ça rien de lui. Ah, ça veut dire vous avez écrit une requête comme ça. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que tu es en train de demander? Tu es en train de demander le système de gestion de base de données? يجيب لك بي ان وحده بي ان شنو يجيب لك؟ يجيب لك فولوم فيل دو ديبار اي فول داريفي. غادي يمشي عند هاد بي ان يجيب لك معاه دي زانفورماسيون وهاد بي ان يجيب معاه دي زانفورماسيون وهاد بي ان يجيب معاه دي زانفورماسيون وهاد بي ان يجيب معاه دي زانفورماسيون. سا فو دير مع سعيد فوزالي افواغ 4 فول ومع علي فوزالي افواغ 4 فول ومع احمد فوزالي افواغ 4 فول مع عمر فوزالي افواغ 4 فول باسكو فوز افي اكري كوم سا داكوغ مي اسكو فريمون سي سكو فو فولي نو فو سكو فو فولي ها حللو دينات حللو دينات مزيان فو سكو فو فولي Vous voulez que le système de gestion de base de données, il gère le minna quoi? Il gère le minna Saïd. Voilà qu'il a choisi à prendre le minna table vol. Il a prendre le vol de Saïd. Il en est à côté de Saïd. Il gère le un vol qui a été effectué avec Saïd. Et à côté de Ahmed, il gère le un vol qui a été effectué avec Ahmed. Ou à côté de Omar, il gère les vols qui ont été effectués avec Omar. Bien que c'est ça. Yanni. Donc, la grande table, est-ce qu'il y a un serveur temporairement? Je dis bien temporairement. Par exemple, regardez ce qui se passe entre هاد لا تريبو بي ان ام وهاد لا تريبو بي ان ام. هذا سي لا تريبو بي ان ام دو لا طابل بيلوت وهذا سي لا تريبو بي ان ام دو لا طابل فول. ها جو بي لي زيكري مزيان هنا هنا فوزافي بي ان ام شكون؟ فوزافي بي ان ام مسيو ان مسيو ان سعيد مسيو ان سعيد مسيو ان سعيد مسيو ان سعيد. Si vous faites une comparaison entre had la colonne et had la colonne, qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez que non, hada, le vol 10, il a été effectué par monsieur 3. Il a été effectué par monsieur 3. Monsieur 3, ce n'est pas Saïd. Il y a vous êtes en train de parler واحد لا ليني. سمعني ليه؟ سمعني ليه؟ هنا vous êtes en train de parler على واحد لا ليني اللي PNM. هاي PNM اللي بالبلو هادي. Elle est différente على M. Elle est différente على PNM. De vol. هادي PNM تاع بيلوت. وهادي PNM تاع فول. Ça veut dire que tu as la ligne هادي. Tu as le PNM, il est différent à la PN. Et là, alors je t'invite juste à observer, juste à regarder. Alors, vous allez remarquer que nous avons le vol, nous avons la ligne, le PNM, mais le PNM. Ils sont égaux. Ça veut dire PNM ta pilote, mais non. You say oui, PNM ta vol. يعني انت عاودوا قولوا لي هنا قلنا شحال غادي نجيبو ملين غادي نجيبو 4 x 4 ça nous donne 16. نتوما دوك لي 16 ليني Quelles sont les lignes qui vous intéressent? Quelles sont les lignes que vous voulez garder? Ntouma les lignes que vous voulez garder, ce sont les lignes qui, regardez, c'est une condition.
C'est une contrainte, c'est une condition. Je suis en train de parler d'une condition. Vous voulez garder les lignes, vous voulez garder simplement les lignes, les lignes, PLM de pilote, même les lignes PLM de pilote est égal PLM de vol. Ce sont les lignes que vous voulez garder. Hein. Vous voulez garder simplement les lignes. Les lignes PLM de pilote, tu sais, oui, PLM de vol. Est-ce qu'on a, nous, je nous crée, nous, les kangoulous, une condition. Une condition. Ça veut dire que c'est quelque chose, au chauffe, zidnaqz. Une condition, ou là, nous sommes en train de parler ligne par ligne. Ouais, hada, yusawi hada. Je voudrais min hada, du coup, yusawi hada. Ça veut dire que c'est une condition que je vais poser sur chaque ligne. Ça veut dire automatiquement, je gagne le prof. Ah, là, il m'a, ouais. Ah, il est en train de tourner en rond, là, ouais. Ouais. Voilà qui est né, ouais. Ouais, ça. Ouais, quoi? Ça veut dire que dans toutes les lignes que tu as sélectionnées, tu veux garder simplement les lignes. Maintenant, tu veux garder simplement les lignes, les PLM. D'accord? You say oui, et égal à PLM. Mais là, tu as un problème. D'accord? Là, tu as un problème. Si tu as deux variables, hein, si tu as une variable, de variable A est égale à variable A. Ou une paramètre ou une variable. Il ne peut pas faire la différence entre ce qu'on y a le paramètre et la variable. D'ailleurs, il va partir à la plus proche. Et il est où, là, tu parles, d'accord, tu parles de quoi? Tu parles de deux, si vous voulez, il va y avoir le problème. On a un dièse. Mais parfois, avec un PNM, tu sais le P. Là, on va écrire PNM est égal à PNM dièse. D'accord? Mais ça serait bien. Ça serait bien de mentionner bien PNM de quelle table? Un PNM de la table pilote. Comment on fait? Quel petit bout pilote? Pilote quoi? Et non, c'est la façon avec laquelle on travaille. Dans le cas où vous avez deux tables qui contiennent un attribut qui a le même nom, qui contiennent deux attributs qui ont le même nom. Qu'est-ce qu'il dit la différence? Quand le nom de la table point l'attribut. Il y a une vol.plm.ds. D'accord? Vol.plm.ds. D'accord, je reviendrai tout à l'heure, rien que l'idée, rien que le fikr li bghit nwassel lkom, et je reviendrai sur autre chose, ghadi entrer la thème, c'est pas question de joindure, mais pour faciliter un petit peu l'écriture de votre requête. Qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Vous avez ajouté une condition, ala dak smash li. Vous avez ajouté une condition, ala wach smitou bila, smitou le produit cartésien. Le produit cartésien comme Ramzolo Hadda, comme Ramzolo Foi, voilà qui est le produit cartésien, à ce une condition. Il y a une condition, quand je dis que je suis à l'Hadda, ou quand je suis à côté, ou quand je dis pilote.plm est égal vol.plm. Il y a tu ne vas pas prendre les 16 lignes. Tu vas prendre simplement donc les 16 lignes, tu vas prendre simplement les lignes, les lignes PLM de pilote, tu sais, le PLM bien vol. Ce qui veut dire, le résultat réel maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que 4 lignes. Wahda ligne. Fiha Ahmed, Aliya, ma'alou vol 10. Wahda ligne. Fiha Saïd, ma'alou vol 11. واحد لاليني فيها أمار واحد لاليني فيها أمار مع كل فول مع الفول دوز واحد لاليني غدردي
une autre ligne, une autre ligne avec Ahmed, une autre ligne avec Ahmed, d'accord? Avec quel vol? Avec le vol 13. D'accord? Et comme ça, regardez bien, j'espère que vous pouvez monter les cahiers de l'école. Puisque j'ai la table de vol, la table de vol est là dans le foreign care. Puisque la table de vol est là, j'ai la ligne. Donc automatiquement, la sélection va être sur les 4 lignes. Parce que j'ai posé une légalité. J'ai posé quoi? J'ai posé une légalité. Une légalité. D'accord? Égalité. Entre deux attributs. Entre deux attributs. Et non. Là, on va dire que vous avez fait quoi? Prenez le mot aide, le mot général. Comme vous le savez, vous avez fait une jointure. D'accord? Et puisque les jointures font un noir, d'accord, font un noir, dit, pour l'instant, pour vous, pour le moment, les détails, ça peut être appelé aussi une équipe. Une équijointure. Vous avez une jointure et vous avez équijointure. Vous avez jointure. Et là, puisque vous avez le tesser, oui, ça s'appelle une équijointure. Bien sûr, le temps, qu'est-ce que ça veut dire une jointure? Et après, je vais passer à ce que c'est une jointure interne. Comment écrire autrement? Alors, j'espère bien que vous avez maintenant compris. Est-ce que là, vous ressentez que je suis en train de parler de contrainte d'intégrité référentielle? Je suis en train de dire, faites attention, quand tu veux ajouter, non, la contrainte d'intégrité référentielle, non, quand tu veux supprimer, tu vas avoir une exception, non, simplement, tu as d'abord écrit une écriture, le système de gestion de base de données, je voudrais que tu me ramènes, regardez bien, je voudrais que tu me ramènes des lignes de la table pilote, et des informations de les lignes de la table vol, mais à une condition. C'est quoi la condition? La condition, c'est que tu as choisi un attribut de la table pilote, il doit être égal à un attribut de la table vol. Qu'est-ce que je viens de dire? Tu as choisi, regardez, tu as voulu, regarde, tu veux sélectionner. Toi, tu veux sélectionner, d'accord, des lignes de pilote, d'accord, avec des lignes de vol, à condition, qu'un attribut de pilote, d'accord, même soit égal à un attribut de vol. Ça, c'est la règle générale d'une jointure, en général. Écoute, vous avez flouer, vous faites l'égalité, vous faites la condition, vous faites l'égalité entre un attribut d'une table 1 que vous avez utilisé from, avec un attribut d'une deuxième table que vous avez aussi utilisé from, parfois c'est une obligation. Donc là, vous avez un attribut de la table, et vous avez fait l'égalité, donc vous êtes
êtes en train de parler de quoi? Vous êtes en train de faire une jointure. Vous êtes en train de faire une jointure. Alors, souvent, quoi? Souvent, les jointures sont faites entre attributs PK, entre attributs PK et FK. Maintenant, remarquez, je suis en train de faire une jointure entre PNUM, les primarités, et PNUM, DS, les rois foreign. Mais est-ce que ça veut dire que ça, c'est une contrainte d'intégrité référentielle? Non. Ça, c'est une jointure. C'est maintenant qu'on parle jointure. C'est une jointure entre un attribut, les rois primarités, et un attribut, les rois foreign. Ça veut dire, monsieur, vous êtes en train de nous dire qu'on peut trouver des exemples, les films des jointures, entre un attribut, les messieurs ou primariqués, et un autre attribut, les messieurs ou primariqués. Oui. Oui. Nous allons faire des exemples dans lesquels on va faire des jointures entre deux attributs qui ne sont ni primariqués, ni foreignqués. D'accord? Et c'est pour ça que je vous ai dit l'autre fois que les jointures, je peux utiliser PK et FK, mais ce n'est pas la contrainte d'intégrité référentielle. La contrainte d'intégrité référentielle, ça veut dire quand je parle jointure, je suis select. D'accord? Je suis select. Donc, je reviens pour clôturer la première vidéo. Maintenant, quand vous avez fait un select entre deux tables, le système de gestion de base de données va prendre tous les attributs de la première table et tous les attributs de la deuxième table. Après, l'ANIMCHI, il va faire le produit cartésien. Un produit cartésien, ça veut dire que si vous avez 10 lignes non et vous avez 20 lignes non, le produit cartésien, vous allez avoir 200 lignes. Yani chaque ligne va être la liaison avec les lignes de la table qui fait le forex. D'accord? Donc, automatiquement, il faut réaliser le produit cartésien, une condition. Vous pouvez maintenant dire, tu veux réaliser une jointure. Tu vas faire une jointure. Il faut réaliser le jointure, ça veut dire que c'est une condition. Ça veut dire qu'il va éliminer, toutes les lignes, Ou là, de notre façon, on va garder, on va sélectionner, rire les lignes, les numéros de l'attribut est égal à Wajda, les numéros de l'attribut est égal à Had l'attribut, l'état spécifique de la jointure. Bien sûr, toujours quand je vous dis on garde, on élimine, on va pas éliminer de la table d'origine. On va éliminer simplement la sélection, les numéros de la table. Mais, supposons d'abord il a gardé d'autres lignes. Ouais, est-ce qu'il va vous afficher tous les attributs? Est-ce qu'il va vous afficher 12 attributs? Non. Une fois qu'il a gardé que les lignes qui répondent à la condition, ouais, select. C'est là maintenant qu'il va partir en select. Il va essayer de voir select. Quels sont les attributs que vous avez demandés? Alors, vous avez demandé PLN, il va garder PLN. Vous avez demandé volume, il va garder volume. Vous avez demandé ville de départ, il va garder ville de départ. Et vous avez demandé ville d'arrivée, et il va garder ville. Ok? Ça va jusque-là? Donc, nous, j'ai essayé dans un premier temps, d'abord, de vous définir c'est quoi une jointure. La partie suivante, nous allons simplement modifier un petit peu les écritures. On va modifier simplement un petit peu les écritures. On va modifier un petit peu la maquette.